Yo, salut à tous, c'est Seb. Aujourd'hui, on est dans le noir, mais je vous expliquerai après pourquoi. Aujourd'hui, je viens de recevoir le nouveau casque qui est le Plantronics Gamecom 388. C'est marqué là-bas derrière, génial. Et je vais vous le présenter succinctement tout de suite. Alors, le colis, donc je l'ai commandé, pardon, je gueule dessus. Le colis, je l'ai commandé en un jour ouvré sur Amazon, donc livraison gratuite en un jour ouvré avec Amazon Premium. Donc la boîte, là, ça arrive comme ça, hein, par Chronopost. À l'intérieur, vous avez juste ça et c'est tout. Alors, en fait, vous avez ça pour caler la boîte et vous avez la boîte du casque qui est emballée dans un petit sachet plastique. La boîte du casque est ici, voilà. Donc, comme vous la voyez, hein, elle est de toute sa splendeur, avec Gamecom 388 marqué dessus, pesté, truc, machin. Donc, vous avez 40 mm speakers, que c'est très léger, que c'est confortable, en même temps, c'est ce qu'on demande d'un casque, et les contrôles sur les oreillettes. De ce côté-ci, vous avez juste les spécifications et la garantie, hein, donc rien de bien méchant, c'est tout en anglais. Et derrière, vous avez un peu de publicité, faut dire, pour le casque en lui-même. Donc, vous avez ici un espace pour voir une moitié du casque. Bon, ça tease un petit peu, mais enfin, c'est pas bien grave. Vous pouvez également noter à l'intérieur le Quick Start Guide qui est juste là, que j'ai même pas lu. Voilà, au moins c'est très rapide. Alors, le casque, le voici. Mamma mia, que malheur. Me demandez pas ce que ça veut dire. Hein. Donc, voici le casque à quoi il ressemble. Hein. Donc, alors, ma main qui est une grande paluche. Voilà. Et le casque. Voilà, donc on a le fameux micro, alors voilà, avec réduction de bruit. Deux oreillettes hein, qui sont ici, donc qui sont plutôt carrées, comme vous pouvez voir, donc faut pas avoir trop grandes oreilles. Ce qui n'est pas mon cas, moi c'est carrément des paraboles que j'ai sur la tête. Ça, c'est du tissu, c'est de la mousse, c'est pas du sky ou je sais pas quoi, donc ça tient dans le temps et ça chauffe pas trop. Mais le problème, c'est que voilà, je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais voilà. Alors je sais pas si on peut les enlever, j'ai pas voulu tout péter dès le départ, vous voyez. Mais à mon avis, pardon. Le repas de midi, c'était excellent. Et je sais pas donc si on peut les enlever, mais ça bouge un petit peu. Donc en même temps, en 30 euros, on peut pas tout avoir. Hein. Les oreillettes se mettent comme ceci à plat. Voilà. Alors en fait, je t'apprends. Donc, un système... hop, c'est comme ça. Voilà. Je t'apprends un truc. T'as un système de clip. Donc en fait, tu vois. Clac, clac. Clac, clac. Et là, pour les métapoles. Clac. Clac, ok, ouais, donc vous voyez à quel point je voulais pas tout péter, donc là il est vraiment voilà. À plat. Voilà, donc là il est vraiment à plat, comme vous pouvez voir, donc dans une valise ou quoi, ça passe nickelo. Force, vas-y, force. Ah, putain, j'ai entendu péter, putain, j'aime pas ça. Donc le micro, je vous ai déjà expliqué, il est monté juste sur une petite rotule ici, et puis bah, il peut juste pivoter comme ça, voilà. Il est flexible, hein, je vous le montre pas, vous voyez, il est flexible, hein, ça bouge. Les oreillettes sont réglables, enfin la taille est réglable, hein, comme sur tous les casques. On a un fil, les deux prises jack qui sont là, donc prise jack pour le son et prise jack pour le micro. Deux jacks en standard, donc 3,5. Un câble de 2 mètres de long, donc très bien. Juste une inscription Gamecom sur le dessus. Voilà, et puis une petite mousse en dessous, ici, donc pour la tête, et c'est tout aussi les petits boutons, ah bah oui les petits boutons, il y a un bouton de contrôle de volume juste ici, plus moins, et là on a le bouton pour muter ou démuter le microphone. Démuter, je vous assure que ça existe, j'ai le droit d'inventer des mots de toute façon, donc j'ai demandé au Becherel, ils m'ont dit que c'était bon. Voilà. Et donc voilà, alors, ce que je vous propose c'est de vous montrer ce que ça donne sur la tête. Alors attendez 2 secondes, je suis en train de le mettre, voilà, là, vous n'y voyez rien, excusez-moi pour cette interruption momentanée de vos programmes, nous revenons dans quelques instants sur FR3, merci. FR3, le vieux nom. Alors attends, mise au point, allô. Allô. Allô, bonjour. Oula. Bonjour. Oh, il y a du mal. Bonjour. Ah là. Ouais, voilà. Donc le micro qui est ici, les deux oreillettes qui sont là, ma tête, de toute sa splendeur. Le casque isole un peu, ouais, mais c'est pas foulichon. Par rapport à mon Philips, on n'entendait vraiment plus rien de ce qu'il y avait autour. Là, je m'entends parler correctement, hein, y a aucun souci. C'est mieux, vous me direz, mais côté isolation, c'est pas top. Mais pour s'entendre parler et tout, c'est mieux, parce que l'autre, avec l'autre casque, je pouvais pas parler, je disais de la merde, hein. J'étais là, je m'entendais pas parler, c'était le bordel. C'était mamissuse dans les touches. Mamissuse. Ouais. C'était mamissuse. Voilà. Ce que ça donne sur la tête, tout simplement, si vous voulez savoir dans quel sens mettre votre casque, c'est-à-dire gauche-droite, pour les écouteurs, c'est assez simple, le micro est à votre gauche, pensez-y, comme le fil, d'ailleurs le fil est à votre gauche, donc votre gauche, bah, si vous êtes droitier, bah, c'est de l'autre côté, voilà.
Si vous êtes gaucher, bah, c'est du même côté. Voilà, donc si vous voulez savoir quel côté que c'est de ce côté-là. Pour avoir une bonne stéréo, parce qu'il y en a qui disent « Oh, la stéréo, ça marche pas, ça donne envie de gerber. » Bah oui, mais en même temps, si tu mets le casque à l'envers... Voilà, hein. Ça s'appelle le Plantronics Gamecom 388, ça coûte 29,90€. Donc voilà, je fais pas plus long, c'était juste la présentation. On va vous en faire le test très bientôt, pour pas dire tout de suite. C'était Seb, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et faites un coucou à monsieur j'emmerde tout le monde. Voilà, monsieur j'emmerde tout le monde, en exclusivité. Chut. Et sur ce, passez une très bonne journée. Soirée. Allez, passez une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée. Salut. N'importe quoi. Oui, alors je vous cache rien, hein. En fait j'ai fini la vidéo puis je me suis rendu compte que j'avais oublié un plan, c'est le test du microphone. Donc on va faire ça tout de suite. Re tout le monde, alors déjà j'ai fait exprès d'enlever l'image. Donc là ce que vous voyez, il y a certainement un texte qui est affiché à l'écran. Mais c'est fait exprès pour que vous concentriez, pardon, sur le son. Donc là c'est le son du micro, du casque. J'ai juste mis le micro un peu en dessous de ma bouche pour éviter le souffle. Parce que bah, si on se met à souffler dedans, forcément ça fait du bruit. Il y a une bonne réduction de bruit de micro, c'est-à-dire que mon frère tout à l'heure était juste à côté de moi, il me parlait normalement et on l'entendait absolument pas. Alors qu'il était pas très loin du micro, on l'entendait pas, voilà, donc ça fonctionne bien. Le son, comme vous pouvez entendre, il est correct, il est même bon, excellent pour le prix. Juste un truc, les paramètres d'enregistrement soient à fond, c'est-à-dire qu'en gros, quand on voit dans périphérique d'enregistrement, que vous tapez ça dans les paramètres, vous allez voir votre micro, vous faites propriété, et vous cliquez sur la rubrique statistiques avancées, et je suis en canal 2, 16 bits, 192 000 Hz, qualité studio, donc on est à fond. Et donc voilà, et j'ai pas touché par contre au volume du micro, il n'y a aucune amplification, rien du tout, le volume est juste à fond, voilà, le volume du microphone, le niveau du microphone est juste à 100%. Après il y a l'ampli microphone, bah, il est à 0 décibels, donc voilà. Alors c'est sûr que on aurait aimé que le son soit un poil plus fort, c'est vrai. Mais voilà, à défaut d'avoir ça, on a un son qui est de très bonne qualité, c'est-à-dire que ça produit un son qui est plutôt naturel, il n'y a pas de voix saccadée, de voix robotisée, un son métallique, rien, c'est un son plutôt naturel, donc ça c'est plutôt un bon point. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà, c'est tout, j'ai plus rien à vous dire, on va arrêter là. C'était Seb, on se revoit donc très bientôt dans un gameplay, hein, puisque vous vous doutez bien qu'avec ce casque, ça va me donner envie de jouer. Et puis passez une bonne journée, et puis à très vite. Allez, salut!